Et nous revoilà de retour pour continuer justement notre analyse de la scène aujourd'hui à l'occasion de la première séance d'ouverture ou à la séance d'ouverture du Parlement égyptien 2021. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Jihen Gedou, professeur de droit international. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous avez suivi aujourd'hui un petit peu la séance d'ouverture? Eh bien, bien sûr, en fait, c'est franchement, on a l'honneur de la première, voilà, aujourd'hui, c'était la première étape pour le Parlement 21, et le, 20, voilà, 2021. Et voilà, c'était très heureuse. Nous étions vraiment très heureuses par rapport à ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose vraiment très bien pour l'Égypte, pour avancer un petit peu. Voilà, parce que normalement, ça, c'est l'étape de l'échauffement de la démocratie. Donc, c'est vraiment, c'est une joie. C'est une joie pour toutes les Égyptiennes, voilà, étrangères, et les Égyptiennes sont en Égypte aussi. Je voudrais juste éclairer que vous êtes résidente en France et que, effectivement, quand on est à l'étranger ou à l'extérieur de notre pays et qu'on assiste à des journées aussi importantes, on a beaucoup de nostalgie, mais aujourd'hui, je pense que vous aviez, comme vous l'avez dit, beaucoup de fierté aussi, puisque pour la première fois de l'histoire du Parlement égyptien, la séance d'ouverture a été présidée par une femme qui est Madame Farida El-Shoubechi. Exactement, ça c'est vraiment très bonne étape en fait pour les, voilà, les, l'avenir des les femmes en Égypte, parce que normalement c'est un vraiment quelque chose pour nous, c'est le bonheur, et en plus c'est le honneur aussi d'être, voilà, pour l'ouverture. C'est une femme en fait en Égypte, et ça c'est la première fois en Égypte, et ça passe comme ça, mais je pense que c'est la femme égyptienne maintenant, elle a pris, voilà, elle a pris les pouvoirs petit à petit en plus, et ça c'est quelque chose vraiment, c'est intéressant pour toutes les femmes, pour avancer, pour participer à beaucoup de choses en Égypte, pour le travail, pour les politiques, plein de choses en fait. Ça c'est l'avenir d'Égypte. Ça, c'est l'image de l'Égypte aussi, parce que normalement, c'est l'image d'Égypte, et maintenant, ça présente qu'il y a une femme de l'ouverture du Parlement. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mmh. Bon, il y avait également, comme vous l'avez dit, le nombre de femmes a considérablement augmenté dans le Parlement égyptien, mais aussi le nombre des jeunes. Quelle est votre analyse pour cela? En fait, c'est franchement, c'est quelque chose très bien pour l'Égypte, pour l'image, pour tout le monde entier maintenant, toute l'œil sur l'Égypte maintenant, comment elle va progresser, comment elle va continuer par rapport les chemins, comment on va être la démocratie. Maintenant, on a des femmes, en fait, on a un nombre pas mal de femmes qui se présentent à la Parlement cette fois. En plus, les jeunesses aussi, elles participent à la vie politique en Égypte. Ça, c'est très intéressant, parce que normalement, en fait, toutes les images de l'Égypte sur les jeunesses et sur aussi les femmes. Maintenant, on a les deux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont progressées grâce au président Abdel Fattah el-Sissi, qui a donné le rôle des femmes égyptiennes en Égypte pour avancer, pour participer à la vie politique. Je pense que ça, c'est très intéressant. Et tout le monde, maintenant, parle sur l'Égypte. Elle donne avis. Et franchement, elle donne vie très bon pour l'Égypte. Parce que normalement, c'est sans les femmes, sans les jeunesses, je ne pense pas qu'on peut avancer. Mais maintenant, grâce au président Abdel Fattah el-Sissi, on peut progresser, on peut avancer un petit peu notre schéma pour la démocratie, pour changer l'image avant, que tout le monde l'a pris avant. Et les femmes étaient coincées quand même. Mais maintenant, ça va. Les femmes sont libres. En fait, elles peuvent participer à plein de choses. Mmh. Vous avez eu l'occasion de discuter avec, aujourd'hui avec des Français concernant justement cette journée importante en Égypte?
Mais bien sûr, exactement. Bah oui, on a l'occasion, bien sûr, exactement. On a parlé aujourd'hui par rapport à cette occasion chez nous. C'était la joie pour toutes les GCN. En fait, j'ai participé à cette joie avec mes amis le français ici. Je vous dis qu'il y a une femme maintenant, c'est elle qui est en train de présenter l'ouverture du Parlement. C'était très, très bien pour nous. Et aussi, j'ai l'honneur de présenter ça parce que normalement, les femmes maintenant, c'est l'image de l'Égypte. Et voilà, les femmes, elles sont vraiment des forces maintenant, elle est en force pour l'Égypte aussi, elle donne un coup de main pour les gouvernements, elle participe tout, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en fait, et leur vie aussi, c'est magnifique, ils ont dit que c'est bravo pour les gouvernements, bravo aussi pour les présidents qui a donné le rôle vraiment pour les femmes égyptiennes qui participent ça. Et rassurez-nous maintenant. Comment vont les choses maintenant en France avec le Covid-19? En fait, oui, la situation, c'est un peu délicat quand même. C'est vraiment un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de cas que le nouvel virus Covid, là, en fait, c'est le 21e nombre, en fait, dans le Marseille. Mais c'est un peu compliqué, mais toujours, on travaille, on avance un petit peu. On ne peut pas coincer dans ce moment. On prend toutes les procédures sanitaires. Et voilà, mais en fait, donc toujours il y a des chiffres et des maladies, voilà, mais en fait, on avance. Bon, j'espère que vous vous porterez tous bien et nos salutations à toute la délégation égyptienne. Et je vous remercie beaucoup pour cet appel. Donc, une petite pause et on se retrouve tout de suite après.